Salut LCSM, on se retrouve pour la deuxième vidéo sur ce pédalier Simagic P2000. Alors déjà, merci pour tous ceux qui ont répondu et qui ont commenté la première vidéo, parce que je sais qu'un unboxing, ça ne plaît pas forcément tout le monde. Vous aviez peut-être déjà vu ce pédalier sur d'autres vidéos. Il a maintenant, je crois, un an. Donc il y a eu des améliorations qui ont été apportées, notamment il y avait un petit jeu au niveau des pédales sur la base. Là, il n'y en a plus, ça a été modifié. Donc déjà, merci. Cette vidéo va se présenter en plusieurs étapes. La première, je crois que je vais vous faire le montage sur le... Alors, pas le montage, mais l'installation sur le Simu. Deuxième, ça va être le logiciel. Troisième, ça va être le roulage sur deux Simu différentes. Et en dernière partie, c'est les conclusions et mon ressenti. Donc, on va tout de suite aller voir sur la première partie, c'est le logiciel. Voilà, donc on se retrouve sur le logiciel qui s'appelle SimPro Manager Beta. Alors pourquoi Beta? Visiblement parce qu'il est voué encore à évoluer. Malgré le fait que je n'ai que la version, sans base, donc que le pédalier, certains utilisent DVIEW. Moi, j'ai préféré utiliser le logiciel de base donc, qui est fourni avec, donc il faut juste le télécharger. Alors pour moi, alors je vais dans Device tout simplement et on se retrouve sur Pédale. Vous voyez, il y a un petit rond ici vert qui indique qu'il est connecté. Donc voilà sur quoi on se retrouve. Donc je vais juste vous faire hop, un appui sur la pédale. Vous voyez la pédale de droite qui fonctionne. Donc vous pouvez faire la calibration directement ici. Donc vous appuyez selon votre ressenti sur les pédales. L'idéal est d'appuyer au maximum de ce que vous voulez, notamment pour la pédale de frein. Pour le reste, forcément, ça vous permet justement de gérer les zones mortes. On va voir comment tout de suite après. Donc voilà, moi le frein, j'ai tapé pas mal. Ça me permet de savoir jusqu'où je peux aller au maximum. Ça, certainement, ça me permet d'éviter de bloquer les roues. Donc voilà, je tape au maximum. Et après, on peut gérer, par exemple pour cette pédale de frein, on peut gérer ici la zone morte. Donc vous la mettez ici ou non. Je vais faire par exemple pour l'embrayage, ce sera plus simple. Donc là, 100, j'appuie un petit peu, hop, vous voyez la pédale, elle avance. Par contre, si j'augmente la zone morte, voilà, là j'appuie de la même façon, il ne le prend pas en compte. Il faut que j'appuie un petit peu plus fort, voilà, pour qu'il le prenne. Donc ça, c'est pareil au niveau de l'accélérateur, si vous voulez, l'accélérateur de la partie haute de la sensibilité. Ça vous permet de gérer justement les zones mortes basses et hautes de votre pédalier. Donc ça peut être fait différemment, mais avec ce logiciel-là, voilà la façon. Alors après, vous pouvez faire des paraboles, vous pouvez régler comme vous voulez. Moi, je préfère le régler de façon linéaire. Après, voilà, ce logiciel-là le permet. Ça vous permet justement d'agrémenter votre courbe de freinage, d'accélérateur ou de pédale d'embrayage. J'y arrive, au moins comme ça. Voilà, vous le faites comme vous voulez. Alors, vous pouvez ajuster la force sur le pédale de frein. Je ne vais pas revenir sur tous les détails, mais voilà, sachez qu'il existe ce logiciel. Vous n'êtes pas forcément obligé de passer par DVIEW. Voilà, c'est une autre alternative. DVIEW, il faut rentrer, je crois, des valeurs. C'est pas forcément plus simple. Là, moi, au moins, je prends le logiciel qui fournit, le logiciel du constructeur. Au moins, je suis tranquille. Donc voilà pour la partie SimPro Manager Beta. Oui, il n'y a pas grand-chose. Voilà, pour ceux qui ont des bases, c'est possible. Voilà, il y a les bases, le frein à main, l'ensemble de base frein à main, enfin l'écosystème complet, les roues. Voyez. Bon, je pense pas partir sur Simagic pour le reste, parce que je suis content de mon DD1, mais voilà, sachez que c'est quand même possible. On peut également utiliser des profils de jeu. Je ne vais pas aller jusqu'au bout du truc. Moi, pour l'instant, je n'ai que le pédalier. Donc, non, ce n'est pas un teaser. Hein. Je ne vais pas changer de base, je vous rassure tout de suite. Mais voilà, sachez que pour le pédalier, le logiciel de base est dispo et que ça fonctionne. Très bien. Allez, maintenant, on passe sur le montage, sur l'installation en tout cas, pas le montage, mais sur le châssis JCL. Allez, donc c'est parti. Je vais essayer de faire ça sans trop bouger. Donc, je vous présente le Simagic P2000, donc installé sur le châssis. Vous voyez, il y a quand même de quoi faire quelque chose de propre. Donc, avec les options ici de
la pédale longue, le repose-pied avec les entretoises, donc pour le surélever un petit peu. Voilà, donc ce que je voulais juste vous dire, c'était en gros les réglages. Donc on peut modifier les ressorts donc sur cette pédale-ci d'embrayage. Je vais aller pédale par pédale, c'est si on peut changer le ressort. Donc il est intégré directement, il est vendu avec, hein, bien évidemment. Donc pour régler la dureté, on peut régler également ici la dureté. Donc plus c'est bas, donc là il y a deux positions, plus c'est souple et plus c'est haut. Plus c'est dur. Donc là, moi, j'ai réglé au plus dur. La raison, elle est simple. Je vais vous montrer. Si j'y arrive, c'est pour avoir ce que je vous avais expliqué. Hop, là, vous voyez le point d'embrayage. Je voulais vraiment le ressentir. Et pour moi, c'est, oh, vous voyez que je tire. C'est avec cette position que j'arrive le mieux à ressentir. Donc l'embrayage. Donc c'est comme ça que je suis parti. Donc voilà le réglage. Alors, après ici, bien évidemment, c'est pareil. Deux positions. Hop. Il fait un peu noir, mais vous voyez, deux positions pour la hauteur des pédales. Donc vous voyez, hein, je vous l'avais montré, les pédales vraiment très très bien finies. Donc ça, c'est le premier réglage. Ensuite, deuxième réglage, on va passer par l'accélérateur. Donc c'est la même façon. Ici, vous devez le voir. Je sais pas si on va le placer ici. Voilà, là, donc pareil, là par contre, il y a quatre positions pour la dureté. Et également, ça c'est très très bien pensé, directement la molette de réglage de la dureté de la pédale. Donc, moi, je le laisse à 2 pour le moment, ça me paraît suffisant. Après, à 6, il faut vraiment taper dedans, donc je vois pas trop trop l'intérêt maintenant. Pour ceux qui ont envie d'avoir de la dureté sur la pédale d'accél, c'est possible. Donc voilà, en gros, les deux réglages qui sont possibles. Il y a également ici la molette de fin de course, donc à dévisser. Voilà, donc trois réglages sur celle-ci. Ensuite, et je ne vais pas dire la plus importante, mais celle du frein. Donc là, nous avons également quatre positions de dureté. Et ensuite, ici, tout le principe du fonctionnement de l'hydraulique, donc on ne touche pas à ça au réservoir, on touche juste ici. Donc pareil, hein, les ressorts sont livrés avec. Donc moi j'ai mis la combinaison jaune-bleu. Je voulais avoir quelque chose de progressif, c'est-à-dire de mou, toute proportion gardée, mais plus simple au début et un peu plus dur après. Donc voilà, il suffit juste de dévisser, hop, et puis de changer ça. Donc voilà, je sais qu'il y a une butée aussi pour le frein que j'ai en option que j'ai pas pris. Donc vous voyez, alors là par contre il est assez dur. Mais voilà, pas trop trop dur. Je voulais vraiment quelque chose d'assez un mélange entre le souple et le dur, donc pour avoir un peu plus de précision. Donc voilà en gros le montage. Vous inquiétez pas, ça c'est juste mon. Je sais pas si vous allez le voir. Hop. Il est là. On bat shaker juste pour les pour le frein. Donc voilà en gros. Le pédalier monté, donc ça se fait vraiment très simplement. Alors c'est pas pareil que le V3, forcément j'ai dû modifier quelques petites choses, mais voilà, en gros ce que ça donne. Après chacun adaptera sa position de conduite en fonction, mais voilà pour le montage sur le Simu. Allez, donc c'est parti, le premier test. Bien évidemment, je vais tester avec la boîte en, je vous la voyez pas ici, mais elle est bien là derrière. Et on va faire ça donc sur Restroom. Alors pourquoi Restroom? Tout simplement parce que je trouve que, alors aujourd'hui, c'est encore peut-être l'un des meilleurs, si ce n'est le meilleur, pour la gestion de l'embrayage et de la boîte en H. Alors ça, c'est mon avis. Je peux concevoir que vous n'ayez pas le même ressenti. Il y avait effectivement RF2 où je pouvais faire la chose, mais voilà, on va faire ça sur Hockenheim. Restroom qui a été mis à jour, d'ailleurs très récemment, c'est même peut-être hier. Donc voilà, on va partir là-dessus, juste en training, hein, c'est juste pour vous donner mon ressenti, puisque j'ai pas record de course, et c'est juste voilà un petit aperçu. Voilà. Allez, c'est parti. Donc Restroom qui est très précis, très pointilleux sur le passage de rapport et sur le débrayage. Donc voilà. Alors on peut le régler encore une fois. Hein, et là avec cette BMW, ça prend tout son sens et c'est assez difficile à faire. Donc la dureté pour moi là, elle est juste bien. Alors, on va vite arriver en bout de cinquième. Voilà, attention, gros freinage, on va le faire tout doucement.
ça passe bien. Forcément, ça fait qu'une semaine que j'ai le pédalier, donc il faut encore que je m'habitue. Il y a peut-être encore d'autres réglages que je vais apporter. Mais pour le moment, l'installation me semble correcte. Et tout le reste me semble vraiment... Vous voyez, je suis foiré comme un con. Tout le reste me semble bien réglé, alors que ce soit en termes de positionnement des pédales, en termes de ressenti, en termes de dureté des ressorts. Je pense que j'ai trouvé exactement ce qu'il me faut. Peut-être encore un doute sur l'inclinaison, mais ça, c'est pas encore évident. Bon, c'est vraiment pas la plus simple hein, pour tester, mais c'est vraiment celle qui utilise un peu tout le potentiel pour tester autant la boîte que le pédalier. Pour ça, je voulais vraiment prendre le 3 pédales, je voulais pas me cantonner aux 2. Parce que, voilà, pour moi, séquentiel ou boîte en H, c'est un plaisir toujours de rouler. Je sais que peu de personnes roulent en boîte en H, même s'ils l'ont, en laissant place à la performance plutôt qu'au plaisir. Moi, j'ai toujours préconisé le ressenti et l'immersion plutôt que la performance. D'ailleurs, sur le dernier championnat FFSCA, j'ai roulé effectivement en... Il va avoir mal le moteur. J'ai roulé en boîte en H, débrayage, la totale. Ça me paraît juste normal. On va revenir un petit peu au pédalier. Donc là, pour moi, l'accélérateur en position 2, ça me paraît très bien. Je sais qu'il faut rouler pas mal pour s'habituer à la position de conduite, mais vous voyez, je m'y fais assez rapidement. Alors, en plus là, je le fais sur écran pour vous et pour le bien de la vidéo, mais voilà, je m'y fais assez vite. Alors maintenant, on fera une conclusion à la fin. Est-ce que je vais encore me planter au même virage? Non. Vous voyez pas si dégueulasse que ça, RS-Rondo. À tester, j'ai même envie de rouler de nouveau dessus. Je crois qu'il y a la BMW M4 GT3 qui vient de sortir. Bref. Bon, ici, ah ouais, il y a de quoi se battre. Hein. Il y a de quoi s'amuser. Ben voilà, donc du coup, avec la boîte en H, ce pédalier et embrayage, c'est juste un bonheur. Alors effectivement, ce point de passage, je vais essayer de vous le... Vous voyez, il est juste là. Je sais pas si vous allez bien le voir, mais... Bon, gadget ou pas, je sais pas. En tout cas, pour moi, est-ce que ça... Je vais essayer juste, hein, comme ça on va voir. On va le passer là. Voilà, je suis à l'arrêt. Ouais, là peut-être. Effectivement. Alors, je sais pas si on peut régler la course, mais en tout cas, on sent plus ou moins quand même l'endroit. Maintenant, est-ce que ça peut vraiment servir? Je le sens ici, ouais. Bon, effectivement, ça correspond entre le régime moteur et le passage de vitesse. Allez, on passe sur une simu suivante. Allez, deuxième test. On est parti sur Assetto Corsa Competition. Petit tour record, oui. Ça a l'air. On est sur Brandach. C'est la session cette semaine, la course cette semaine sur RFM. J'ai pas encore beaucoup roulé sur ACC avec ce pédalier. J'ai fait une course et j'ai terminé, je crois, 6ème. Je voulais vous en faire une vidéo, mais bon, trop de boulot en ce moment, donc j'aurais pas l'occasion. C'était sur Houghton Park, si je me trompe pas, mais en tout cas, voilà, j'ai vite réussi à m'y habituer, très honnêtement. Alors, bon, de toute façon, je vous ferai un débrief après, mais qu'est-ce que ça m'a apporté? Alors, dire qu'on est plus rapide avec un nouveau pédalier, c'est pas forcément vrai, c'est pas forcément ce qu'il faut mettre en avant. C'est plus la régularité qui prédomine, je trouve. Quoi d'autre? La précision.
Alors, il y a des avantages et des inconvénients par rapport à mon V3. Et ça, je reviendrai dans, parlerai dans la conclusion. Mais le fait est que je me trouve plus constant et plus précis. Alors, j'avais un gros défaut. C'était mon freinage. Alors, attention, hein, je remets pas forcément en cause le Fanatec V3. Je dis juste que quand je l'avais, j'ai l'impression que je freinais beaucoup plus tôt que les autres. Et je mettais ça en cause plutôt un mélange de ma façon de conduire et peut-être mon setup également, mais pas en cause le pédalier. Donc du coup, je me suis posé pas mal de questions. Et c'est vrai qu'il s'est avéré que je bloquais souvent les roues. Alors, je sais pas si vraiment c'était lié à ça, mais en tout cas, j'avais du mal à trouver la limite de freinage. Donc, là, je suis sur setup, clairement. Donc du coup, voilà, avec celui-ci, je trouve que je bloque beaucoup moins les roues. Ça, c'est déjà une première chose. Et deuxième chose, j'ai l'impression aussi que je freine plus tard. Tout va avec, hein. Forcément, si tu bloques moins les roues, tu vas freiner plus tard. Enfin, c'est un ensemble qui est lié, mais voilà, c'est dans ce sens-là où je dis, effectivement, j'ai gagné. Alors, peut-être pas en rapidité, mais en tout cas en sécurité, en freinage, en constance, voilà, tout ça. Alors, je vais pas vous faire un chrono à tout relancer avant-après V3 P2000, puisque je trouve que ça n'a pas de sens. Excusez-moi, hein. Ceux qui disent oh, j'ai gagné 1,5 secondes ou 2 secondes au tour. Oui, je veux bien croire. Et voilà, je préfère pas vous faire ça, parce qu'en plus j'ai pas assez de recul par rapport à ce pédalier pour vous dire j'ai gagné autant de temps. Moi, je préfère vous dire, vous allez gagner en ressenti, vous allez gagner en précision, vous allez gagner en constance. Ça, pour moi, c'est plus ça qu'il faut mettre en avant. Après, le reste, peut-être. Maintenant, gagner 2 secondes au tour, pourquoi pas. Bon, en tout cas, je vais pas vous faire un quart d'heure de roulage là-dessus. Le but, c'était de vous donner un petit peu mon ressenti sur deux, trois jeux. Hein. Vraiment, il n'y avait pas de quoi trop en parler in-game, en tout cas. Je préfère vous faire un retour maintenant face caméra et vous dire ce que j'ai trouvé de positif, négatif, en tout cas mon ressenti sur l'ensemble. Parce qu'effectivement, quand tu roules, pas trop concentré sur ce qu'on dit, et je préfère ne pas dire de conneries. Allez, on se retrouve sur le bureau et on va faire un petit peu le bilan. Voilà, bon, j'espère que j'ai été assez clair un peu sur l'ensemble des démonstrations, enfin de tout ce qui concerne ce pédalier. Alors la question maintenant, c'est qu'est-ce que j'en pense? Alors qu'est-ce que j'en pense? Déjà, ce qu'il faut savoir quand je passe sur ce pédalier-là, et je le savais d'avance, je perds la compatibilité console. Alors je sais qu'il existe des accessoires pour rendre plus ou moins les différents périphériques non compatibles à la base compatibles avec les jeux. Ça reste du bricolage pour moi, je ne sais pas actuellement si c'est viable, mais je le savais d'avance que je perdais la compatibilité PS5. Mais bon, sur PS5, je ne jouais qu'à Gran Turismo 7. Depuis que j'ai revendu mon PSVR 2, je n'y ai plus mis les mains du tout. Et je vais être totalement transparent avec vous, et attention, ne le prenez pas mal, c'est une vérité. J'ai jamais eu de course aussi intéressante sur PC que sur console, sur en tout cas notamment GT7. Pourquoi? Parce que je pense que c'est lié à plusieurs facteurs. Attention, je suis pas en train de cracher sur GT7. Tout ce que je dis, c'est que ceux qui roulent en simu sur console, c'est pour deux raisons. Soit ils n'ont pas les moyens de passer sur PC, soit ils trouvent que le PC, c'est trop compliqué. Alors, encore une fois, c'est pas une critique, hein. Je crache pas sur la console, j'y joue encore, elle est là. Mais voilà, c'est une raison pour laquelle je savais que j'allais perdre cette compatibilité-là, mais j'en avais conscience, mais voilà, je voulais passer le cap. Donc bref, mon V3, je l'ai mis en vente sur le Bon Coin. Il a mis 5 minutes avant d'être vendu. Voilà. Donc je sais que ça fera plaisir à quelqu'un d'autre. Maintenant, voilà, je peux revenir sur du matériel compatible. Enfin bref, voilà en l'état ce que je perdais en tout tas de causes quand je prenais ce matériel-là. Maintenant, ça c'est un. On peut le compter dans les aspects négatifs. Autre aspect négatif, forcément, il faut se refaire à ce nouveau matériel, il faut reprendre de nouvelles habitudes.
Ça, encore une fois, est-ce que c'est un défaut? Vous le mettez où vous voulez. L'autre défaut, c'est que c'est le tarif. Forcément, c'est un billet quasiment de 900 000 euros. Est-ce que le coût en vaut les perfs, en vaut le ressenti? Aujourd'hui, je vais répondre, je vais spoiler tout de suite. Pour moi, c'est oui. Alors, avant d'acheter le matériel, j'avais toujours entendu dire que le périphérique le plus important sur un Simu, c'est le pédalier. Je me suis toujours dit, oui, est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que vraiment je vais voir la différence? Alors maintenant, il faut voir bien que je viens d'un pédalier Fanatec V3. Donc c'est pas non plus l'entrée de gamme, c'est du milieu de gamme chez Fanatec. Je suis d'ailleurs, j'en ai déjà parlé, étonné que Fanatec n'ait pas proposé un pédalier comme ils le font sur leur base, hein, ils font plusieurs niveaux. Voilà, chez eux, il n'y a que deux modèles, le CSL, enfin bref, et celui-là. Je suis étonné qu'ils ne sont pas passés à l'hydraulique. Bon, bizarre, leur choix stratégique et marketing là-dessus. Donc, moi, j'avais toujours un doute sur est-ce que vraiment je vais sentir un gap en passant sur l'hydraulique? Oui. Alors, je vais essayer de m'expliquer. En fait, on a plus de progression, que ce soit sur le freinage, en appuyant, que sur le dégressif, en relâchant. Parce que le fait que ce soit l'hydraulique, les ressorts, et qu'on ne soit plus sur de l'élastomère, je trouve qu'on a beaucoup plus de progression. C'est plus linéaire. L'élastomère, on va le compresser et à un moment on va arriver en butée et on va arriver trop vite pour moi à cette butée. Et de la même façon, la façon dont on se décomprime l'élastomère, pour moi, c'est moins précis et moins progressif que forcément l'hydraulique et les ressorts qui sont associés. Donc, oui, pour moi, on gagne beaucoup en précision. Je n'y pensais pas, je n'y croyais pas forcément. Avant de l'avoir essayé, c'est toujours pareil, il faut mettre le billet pour l'essayer. J'ai pas eu l'occasion de l'essayer ailleurs. Non, en tout cas, dans de bonnes conditions, c'est assez compliqué en général de tester du matériel. Donc, pour moi, voilà, oui, ça vaut vraiment le coup. Maintenant, ce matériel-là, comme un autre, hein, moi, je vous l'ai dit, je l'ai acheté pour son rapport qualité-prix. En fait, c'est un accès à l'hydraulique qui, pour moi, me semble accessible. Attention, c'est toujours pareil, hein, ça dépend des bourses, ça dépend de votre situation, ça dépend de pas mal de choses, mais je trouve que. C'est l'un des meilleurs, si ce n'est le meilleur rapport qualité-prix. Alors j'ai vu d'autres vidéos où on se plaignait de pas mal de choses. Alors moi, il ne bouge pas. Il n'y a plus de jeu là-dessus. Il n'y a pas de bruit. J'essaierai de vous mettre un son. Je ne sais pas si je peux vous le mettre. Je vais essayer de vous le mettre maintenant. Alors, attention, je rapproche le micro. Instant ASMR. Bon, c'est peut-être pas très parlant, je vous mettrai plutôt peut-être en in-game en coupant un tout petit peu le son du jeu, vous verrez. Mais en fait, non, le son, le bruit n'est pas plus important ou moins important que le Fanatec V3. Moi, j'avais peur hein, au début. Mais non, franchement, ça fait le taf. J'avais peur de la course, j'avais peur de pas mal de choses en fait. Toujours pareil, quand tu changes de matériel, tu te dis est-ce qu'il va y avoir un gap, est-ce qu'il va y avoir un intérêt. Moi, j'ai trouvé que oui. J'ai fait honnêtement trois courses avec, alors des courses vraiment, hein, donc deux courses sur LFM, une sur RCC, une sur RF2, et après une course sur Icecraft, deux courses sur Icecraft avec AMS2. Est-ce que j'ai eu des difficultés à m'y habituer? Non, pas du tout, très honnêtement. Est-ce que j'ai été meilleur? Alors, sur RF2 et ACC, oui. J'ai suivi les voitures de plus près au freinage, j'ai retardé mon freinage, j'ai réussi à ne pas bloquer les roues, j'ai, je pense, gagné du temps, très honnêtement. Alors, encore une fois, comme je vous l'ai dit pendant le gameplay, peut-être pas une seconde et demie, mais j'ai gagné facilement, je pense, une demi-seconde, très honnêtement. À plus, je crois pas. C'est pareil encore, hein, il faut que je m'y habitue. Là où j'ai eu un peu plus de mal, c'est sur la boîte en H, sur AMS2. Parce que il faut trouver le point de patinage et parce que j'ai mis au plus dur sur l'embrayage, donc c'est un peu plus compliqué. Voilà, il faut retrouver sa position de conduite, il faut retrouver sa position de pédale. C'est un peu plus compliqué. Il va me falloir peut-être encore quelques semaines. Mais en tout cas, à aujourd'hui. Et ça va être la finalité de cette vidéo parce qu'elle va commencer à durer un petit peu trop longtemps. Non, je regrette pas. Oui, c'est plus immersif. Oui, j'ai gagné en qualité de conduite. Pour moi, c'est, à part le
prix, et encore, je vous dis, vu que j'ai revendu le V3, voilà, le prix est du coup amoindri, mais oui, ça vaut le coup. Maintenant, passez tout de suite là-dessus. Si vous démarrez dans le simracing, non, je ne conseille pas. Pourquoi? Parce que je pense qu'il faut déjà voir si vous allez aimer le simracing, voir si vous allez. Parce qu'il faut un écosystème cohérent. Ce n'est pas la peine de prendre un volant à courroie et ce type de pédalier. Pour moi, il faut upgrader. De façon linéaire, voilà. Parce que le simracing, ça peut vous durer pendant un an, parce qu'il y a eu le Covid et vous ne saviez pas quoi faire chez vous. Enfin, voilà, il faut y aller progressivement. Voilà, c'est ce que j'ai fait. J'avais arrêté le simracing pour les problèmes de santé. Bref, je ne vais pas revenir là-dessus. Pour ceux qui me connaissent et qui suivent la chaîne, vous le savez. Mais après, j'avais repris un CSL en termes de pédalier. Après, j'ai pris le V3 et là maintenant, vu que ça va mieux, je monte en gamme. Alors, je pense pas à monter encore au-dessus. Hein. Je sais qu'il y a des pédaliers bien plus chers, mais voilà. Là, je suis arrivé à un écosystème qui est cohérent, même si je suis plus exclusivement sur l'écosystème Fanatec. J'avais même, honnêtement, regardé pour changer la boîte en H séquentielle et passer sur le Simagic, qui est encore une fois assez cher, mais qui semble avoir un ressenti meilleur au passage de vitesse. Après, encore une fois, j'avais peur du bruit. Donc, si vous avez je sais plus le nom, je vous le mettrai de toute façon ici. Si vous avez cette boîte en H séquentielle de Simagic, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez avec du recul. En tout cas, moi, voilà, n'hésitez pas à me dire votre ressenti parce que suite à la première vidéo, j'ai vu que certains étaient passés sur le même pédalier que moi ou alors voulaient en faire acquisition. Moi, si je vous dis, hein, si vous avez les moyens, n'hésitez pas à foncer, c'est vraiment du bon matériel. Donc, on se retrouve dans les commentaires pour en discuter. J'espère vous avoir parlé de tout. Voilà, sans trop faire trop long. De toute façon, ce sera chapitré, vous passez comme vous voulez. Ben voilà, je vous dis à une prochaine. On se retrouve pour d'autres courses ou d'autres présentations de matériel. Encore une fois, c'est très difficile, hein. Le matériel que je vous présente, c'est celui que j'achète. Je n'ai pas le loisir, ni l'occasion, ni l'avantage d'avoir du matériel de prêt. Parce que je sais pas, ma chaîne n'est pas assez grosse, parce que je ne sais pas me vendre, parce que je suis trop cash. Bref, j'en sais rien, aujourd'hui je ne sais pas. Mais voilà, j'espère que ce genre de vidéo vous convient, vous satisfait, vous plaît. Bref, donc je compte sur vous pour les retours et on se dit à une prochaine. Allez, bonne journée. Tchuss.